le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais continuer un tout petit peu à utiliser le derrière des tampons, la partie arrière. Là, j'ai un tampon pour faire, cette fois-ci pour faire des fonds. J'aime beaucoup, vous avez vu mes vidéos, j'aime beaucoup faire des fonds de cartes colorées ou avec des encres un peu différents. C'est des fonds complètement uniques. Et c'est ça que je pose aujourd'hui, ce sont des cartes très très simples. Dernièrement, j'ai pas trop de temps, alors je vous présente des cartes qu'on peut faire très 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 vite. J'espère revenir la semaine prochaine avec une vidéo un peu plus élaborée, avec une carte que j'ai déjà repérée, une carte très très belle. Mais aujourd'hui, j'ai pas trop de temps, alors ce sont des cartes vite faites. Je prends une base de cartes normale, je prends mon tampon, là c'est des tampons, il faut que vous cherchiez chez vous ce que vous avez. Il ne faut pas se limiter à essayer de faire exactement la même chose si vous avez des carrés, même si vous avez des formes différentes. Essayez avec la partie arrière pour voir ce que ça donne. Alors là, je prends mes encres Distress, c'est un cadeau que j'ai eu pour Noël. Sinon, vous prenez d'autres encres aussi, même, rappelez-vous, on a fait des fonds avec des feutres. Vous pouvez essayer ce que vous avez chez vous. Si vous voulez, je vous mettrai les couleurs. Si vous avez les distress, vous mettrez les couleurs. J'ai mis un tout petit peu d'eau parce que je ne veux pas quelque chose de trop lisse. Je veux que les couleurs se mélangent un tout petit peu. Là, mon tampon, il est tombé. Là, j'essaye de mélanger un peu les couleurs. Et vous allez voir, des fois, on est... Là, à ce moment-là, je n'aime pas du tout. Mais après, vous allez voir que c'est beau. Quand ça sèche, c'est assez beau. Il faut attendre. Il ne faut pas désespérer. Je dis toujours ça quand on fait des cartes. Il faut attendre jusqu'à ce que ce soit sec pour dire si on aime. Des fois, on n'aime pas, hein, même quand c'est sec. Mais il faut un tout petit peu attendre pour voir ce que ça donne. Là, je nettoie un tout petit peu mon tampon. Et je laisse ça, je mets ça des côtés. Je vais faire un autre fond, cette fois-ci carré. Je vais prendre une carte, c'est une carte irisée carré. Et je voulais faire dans des tonalités de bleu. Cette fois-ci, je voulais rester dans quelque chose de beaucoup plus soft. Vous allez voir, ça change complètement. Je découvre en même temps, je découvre aussi mes couleurs. Je fais exactement la même chose, je mets un tout petit peu d'eau. Pas beaucoup. Et je joue un tout petit peu pour essayer que les couleurs se mélangent un tout petit peu. S'il y a des couleurs comme là, on voit une petite zone où il n'y a pas trop d'eau. On peut venir après, toujours. Je vais mettre un tout petit peu d'eau au centre là. Pour que la couleur soit vraiment mélangée avec de l'eau. Que ce ne soit pas les pigments tout sans eau. On peut venir, si on a beaucoup d'eau aussi, avec un petit sopalin, on peut venir enlever s'il y a beaucoup d'eau. Là, je vais faire un troisième. C'est la même technique. Je vous dis, vous pouvez essayer aussi avec des fonds alcool, aussi avec les feutres alcool. Je vous laisserai la vidéo où j'avais fait des fonds avec les feutres alcool et avec des formes. Pour celle-là, j'ai simplement décidé de faire un tout petit peu différent. Je vais venir utiliser la technique qu'on appelle resist. Ça veut dire que je vais tamponner en transparent un petit message. Et après, je vais venir sur le message, je vais tamponner le message avec de la Versamark et mettre de la poudre d'embossage. Et ça va me protéger en fait, ça va me protéger la zone qui est tamponnée. Et je vais venir après faire mon fond, disons, mais ma colorisation, mais sur cette zone. Mais regardez,
là j'ai mal tamponné. Alors je voulais vous essayer, vous montrer aussi comment on peut se tromper et on peut essayer de réparer ce qu'on a fait. Là j'ai pas bien, probablement pas bien fait une bonne pression sur mon tampon, alors j'ai que une partie. Je vais quand même, parce qu'il y a de la poudre déjà sur une partie, alors je vais quand même fondre cette poudre, chauffer cette poudre avec mon pistolet chaud. Et après, avec mon petit cadre IKEA, où je peux beaucoup mieux gérer où mon tampon va tomber, ou le positionnement du tampon, je vais le faire une deuxième fois. Mais là, je pourrais bien voir où le tampon va tomber. Comme ça, je sais que je vais pas faire un tamponnage où je veux pas. Et là, j'essaye de tamponner simplement la zone qui n'était pas prise la première fois. J'appuie bien cette fois-ci pour être sûr de bien prendre tout le tampon. Là, désolé, ma tête elle est toujours là parce que je suis un tout petit peu vieille et j'ai besoin de bien voir, de mettre ma tête. Alors là, apparemment c'est bon. Il n'y a pas une grosse lumière, on voit pas très bien. Et comme c'est du blanc sur du blanc, on voit pas trop. Mais croyez-moi, ça a fonctionné. Comme quoi, on rate beaucoup de choses, mais on peut aussi presque tout ressoudre. Il faut jamais désespérer. Quand on fait des cartes, quand on fait du scrap, on peut réparer les choses. Alors là, je vais essayer avec d'autres couleurs. Avec encore mon tampon rond, j'ai beaucoup aimé. J'ai essayé de voir si avec la Versamark, mais finalement, vous allez voir. Vous allez voir. Je vous dis rien. Là, j'essaye avec d'autres couleurs. Je vous laisserai les couleurs utilisées sur la description de la vidéo. Là, regardez comme vous voyez, là, mon truc il est resté. Mais bon, j'ai réussi à l'enlever. Et là, avant que les couleurs deviennent un peu marron, alors j'essaye avec un petit sopalin d'enlever l'excès d'eau. Et regardez comment on peut voir les messages derrière. Sinon, on aurait pu de la même façon venir après mettre le tampon, mais c'est simplement une façon de faire différente. Et là, comme j'avais encore un peu d'encre, mais regardez, je voulais récupérer, mais là mon truc il est complètement tombé. Heureusement qu'il est tombé au centre. Et j'ai réussi aussi à récupérer cette carte. J'aurais aimé la mettre un peu plus haut en fait, mais bon, c'est tombé comme ça. Et j'ai réussi, je vous montrerai à la fin la carte que j'ai fait avec ce fond là. Ce sont des cartes assez simples. Là j'ai acheté des dies. Je suis très très contente à cette, il me semble que c'est 4 ou 5 dies, des petites fleurs et tout ça. Je vous montrerai ça après. Et c'est ces dies là que j'ai utilisé, j'ai beaucoup aimé. Là, j'essaie un autre simplement pour vous montrer. Si vous n'avez pas des tampons, là, j'ai pris simplement une feuille d'acrylique. Je vous avais montré ça déjà sur une vidéo. Avec un peu d'eau, vous pouvez faire ça avec des feutres alcool aussi ou d'autres encres. Et j'essaie là de donner un tout petit peu de couleur pour ce fond-là. Et je vous montrerai à la fin aussi comment j'ai finalisé ces cartes qui sont très très simples, mais c'est plutôt les
c'est plutôt les couleurs qui viennent donner, je trouve, le charme de ces cartes-là. Là, ce sont des couleurs très légères, mais j'aime beaucoup les combinaisons. Là, je vous montre simplement comment la carte, elle est... j'ai oublié le mot pour dire ça. Je connais le mot, mais j'ai oublié. Bah, elle est un peu tordue, mais c'est pas le mot, je sais. Et là, j'utilise la Big Shot. Je vous ai parlé déjà de cette astuce, mais ceux qui ne connaissent pas, je mets ma carte entre deux petits morceaux de carton et je la passe à la Big Shot. Et regardez, ma carte, là maintenant, elle est beaucoup mieux. Je vous montre des petites finitions là pour cette carte. J'ai fait comme un style shaker, mais après, pour moi, il manquait un tout petit truc. Alors, j'ai un petit stylo que j'adore en fait. Il est pas cher du tout. C'est comme un stylo gel, un peu pailleté. Et ça sert pour des petites finitions comme ça ou pour tout. Je vous laisserai les références si ça vous intéresse, mais sinon, un stylo gel, style couleur pailletée argentée, je pense que ça ferait l'affaire. C'est simplement pour donner, des fois, je sais pas pourquoi, dernièrement, quand les cartes, elles ont rien, elles sont toutes blanches, pour moi, il manque quelque chose, soit du gaufrage ou quelque chose, ou des petits tampons transparents, comme j'ai fait déjà sur d'autres cartes. Je vous laisserai les références. Mais alors, j'ai fait des simples traits et je trouve que ça donne une meilleure finition à cette carte. Et je fais un shaker, mais je pense que vous savez comment faire un shaker. C'est pour ça que j'ai pas enregistré tout ça, parce que sinon, de toute façon, ça serait hyper long. Pour cette carte-là, j'ai tamponné en blanc d'abord et après, j'ai mis de cette poudre d'embossage magnifique. Je vous laisserai les liens, j'aime beaucoup, c'est une poudre d'embossage irisée. Et après, avec ces dailles, ce groupe de dailles que j'ai acheté, que je vous montrais, on peut découper ces petites feuilles. Mais en fait, je vais les découper et je vais les couper en deux. J'ai coupé trois fois le petit die et après, j'ai découpé en deux. Alors, j'ai six petits bouts que je vais placer simplement sur la partie haute, parce qu'en fait, comme vous avez vu au début, cette carte, c'est en fait un petit accident. Le rond devait être plus haut, mais alors comme j'ai plus de distance en haut, je vais dissimuler ça avec ces feuilles là. C'est ça les dailles que j'ai achetées. J'ai beaucoup aimé ces dailles. Je vous laisserai les liens. Je trouve que c'est très utile pour des cartes ou des albums de scrap, parce que ces feuillages là, ils sont beaux tout le temps. Vraiment, bon, moi que j'adore vraiment la nature, je trouve qu'ils sont très très beaux. Et là, comme pour les autres, je veux mettre que quelques petits points de colle. Cette colle, elle est très très forte, alors il ne faut pas avoir peur. Ils ne vont pas tomber. Mais en fait, je voulais que quelques feuilles puissent se relever et qu'on ait comme ça un effet 3D plus visible. Alors je place un tout petit peu d'abord les feuillages qui sont moins fournis, je sais pas si on peut dire ça, et après je mets les autres. Je vois d'abord où je vais mettre un peu la colle. Regardez, je mets que trois petits points de colle sur chaque feuillage et après je viens le placer là. Ouais, ma colle, je laisse tout le temps les liens sur la vidéo, sur la description de la vidéo, parce qu'on me demande beaucoup quelle colle j'utilise. Alors je vous laisse tout le temps les liens, les principaux liens là. Je laisse pas tout, mais en fait, j'ai copié sur toutes les vidéos à peu près les mêmes liens, que c'est les fournitures principales que j'utilise. Là, je place un petit peu. Et bon, finalement, entre jeter la carte à la poubelle et faire quelque chose avec, je pense que
on a réussi à la sauver. Vous me direz quelle carte vous préférez. Je vais vous montrer après les cartes à la fin. Il y a aussi des photos à la fin. Et sinon, il y a des photos sur les blogs aussi. Je vous montre mes cartes finies parce que sans définition très très simple. C'est que des collages, des dailles et des petites décos. Là, finalement, j'ai coupé le petit dandelion. Je ne sais pas si on dit ça en français. Avec de la mousse pailletée, j'ai mis de petites perles de pluie, trois en fait. Et là, j'ai fait un petit message sur du papier vélin embossé en doré. Les couleurs, on les apprécie pas trop, sont des couleurs très très douces. Mais je voulais justement comme ça une carte presque blanche. Après, là, il y a le shaker avec les petits traits que je vous ai montrés. Je vous laisserai éventuellement les liens pour faire un shaker si vous voulez voir comment on fait un shaker. Mais bon, je pense que parmi vous, il y en a pas mal qui savent le faire déjà. Celle-là, regardez, moi je trouve que c'est intéressant d'avoir les petites feuilles un peu décollées comme ça. Ça donne un effet un peu différent. Et la poudre d'embossage pailletée, elle est vraiment très très belle. C'est un bon investissement. Celle-là, j'aime beaucoup. C'est aussi avec des couleurs très claires, mais j'aime beaucoup avec le contraste avec le blanc. Et là aussi, j'ai laissé quelques petites pointes décollées. J'aime beaucoup l'effet, vous me direz quelle carte vous préférez et pourquoi. Celle-là, j'aime beaucoup la couleur, les contrastes aussi avec le doré. Mais je ne suis pas très convaincue finalement du message. Je pense que j'aurais dû tamponner un truc au lieu de coller ça. Je trouve que les messages, ça fait un peu grossier. J'aimerais écouter vos commentaires. Alors, j'espère que vous avez plus d'idées pour faire vos cartes. Je vous laisse avec quelques photos. Je vous dis toujours merci beaucoup. Ces cartes-là sont des cartes pas très élaborées parce que j'ai pas trop le temps. J'ai commencé une carte très très belle, un peu plus élaborée. J'espère pouvoir vous la présenter la semaine prochaine. Je vous dis merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao. À la prochaine. Gros bisous.